11 personnes ont été sorties et nous pensons qu'il en reste à l'intérieur. Mais nous commençons à diminuer l'ampleur de l'opération. Nous allons repartir parce qu'il y a beaucoup de mouvements ici. Et tout laisser entre les mains de la police et de la sécurité minière. La mine a été refermée parce qu'elle n'est plus en service. Comme vous pouvez le voir, ils ont improvisé une ouverture pour entrer à l'intérieur. Alors nous avons dû retirer des blocs de béton pour pouvoir rouvrir le trou et les faire sortir par là. C'est très dangereux et je déconseille fortement aux communautés de se lancer dans ce genre d'activité. C'est très dangereux pour eux, mais aussi pour ceux qui doivent venir les sauver quand il leur arrive quelque chose. Mm.